êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de faire un tour du côté du Daring Club Motema Pembe. Daring Club Motema Pembe avec une histoire incroyable, une histoire invraisemblable des passeports des joueurs disparus, alors que ces passeports devaient servir en tout cas ces joueurs pour prendre leur visa et ainsi aller jouer le match du tour de barrage de la CAF. Vous savez, il y a eu tirage au sort et le dernier club Motema Pembe qui avait réussi en tout cas à se qualifier dans la coupe de la CAF attendait en tout cas son adversaire venant de la Champions League africaine, et le tirage ayant voulu que le dernier club Motema Pembe puisse s'opposer à Al Ahly Benghazi de la Libye, et ce match doit se jouer le dimanche 14 février sur le coup de 18h. Et Daring Club Motema Pembe et les Daring Men ont été en tout cas accueillis par une mauvaise nouvelle de la disparition des passeports des joueurs qui se trouvaient en tout cas entre les mains de leur intendant. Une nouvelle en tout cas qui a inquiété plus d'une personne, plus d'un supporter du Daring Club Motema Pembe, d'autant plus que le match est prévu en tout cas d'ici quelques jours. Comment faire alors pour se déplacer et affronter cette équipe de Al Ahly Benghazi? Et ça a créé énormément de problèmes. Mais que s'est-il finalement passé pour que ces passeports disparaissent? C'est un véritable scandale, susceptible même de porter gravement préjudice à Daring Club Motema Pembe, qui pouvait risquer en tout cas gros à la suite de cette situation incompréhensible. En effet, selon des sources proches en tout cas de l'équipe Daring Club Motema Pembe, les passeports étaient gardés par l'intendant du Daring Club Motema Pembe répondant au nom de Mombo. Et ce dernier reconnaît avoir été interpellé avant la disparition de ces documents par des policiers de circulation routière pour un contrôle de routine. Après une dispute avec ses agents dans son véhicule, il a malheureusement constaté que le sac qui contenait les identités avait disparu. Donc le sac qui contenait en tout cas les passeports certainement aussi. On espère en tout cas que les Daring Men pourront porter plainte pour préjudice causé. Mais finalement, la bonne nouvelle est que on aurait finalement retrouvé la personne qui aurait entré en possession de ces documents. Il s'agit d'une dame, agent de la police de circulation routière, une publication en tout cas d'une des pages Facebook qui soutient en tout cas le dernier club Motema Pembe, Debout de Saint-Pays-Mana, qui a publié cela. Les passeports de nos joueurs ont été retrouvés entre les mains de cette dame roulage. C'est une négligence et sabotage de la part de monsieur qui se promène avec les documents officiels du club. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on peut s'en prendre à l'intendant Mombo, mais je pense que cette dame qui se retrouvait dans le véhicule de l'intendant Mombo n'aurait pas dû se retrouver dans ce véhicule-là. Je pense que on a eu à décrier à plusieurs reprises le comportement de nos policiers, surtout ceux commis à la gestion de la circulation routière, qui par moment veulent prendre de force des véhicules des usagers de la route, entrer dedans et se mettre à négocier avec les propriétaires de ces véhicules ou les conducteurs, et ensuite quand on leur donne de l'argent, ils partent et vous laissent continuer. Donc là, il n'y a pas d'amende à payer, c'est de la corruption carrément. Parce que si quelqu'un a enfreint en tout cas la loi en matière de la circulation routière, soit vous l'amenez au bureau pour le verbaliser et non se comporter de cette façon là donc des roulages qui entrent dans un véhicule et des discussions qui s'en suivent, c'est ce que tous les Congolais en tout cas décrit et vivent au jour le jour dans nos rues. Sauf que là,
ils étaient entrés dans un véhicule de l'intendant du dernier club monté en PMB et qui probablement faisait des courses en rapport avec le dernier club monté en PMB qui avait en tout cas les documents de voyage de nos joueurs. Donc voilà ce qui a causé toute cette situation, j'allais dire, hein, des joueurs du dernier club monté en PMB, on parle pas des léopards. Donc voilà un peu cette situation, cette cacophonie autour de la disparition des passeports des joueurs du dernier club monté en PMB. Heureusement qu'une solution a été trouvée puisque au regard en tout cas de cette publication de Debout DSMP Imana, ça signifie qu'au moins les passeports sont retrouvés, mais je pense que on doit punir sévèrement cette dame qui a eu à garder ses documents alors qu'elle n'en a pas la qualité. Si la voiture a posé un problème ou son conducteur, quels font les documents des joueurs du dernier club monté Mapembe entre ses mains? Et cette situation n'est pas en tout cas pour créer la sérénité hein, au sein du dernier club monté Mapembe qui connaît depuis un moment d'ailleurs de sérieux problèmes, hein, des problèmes d'ordre financier, des problèmes liés hein, notamment avec ce qu'on a eu à apprendre par exemple avec son gardien Mouko Obarel qui serait parti hein, pour des raisons financières. Hein. Et donc le dernier club monté Mapembe qui a des problèmes et qui ne s'est pas recruté, qui n'a pas pu renforcer son effectif à la suite en tout cas des cette sanction imposée par la FIFA hein, ou la CAF. Et donc le dernier club monté Mapembe qui va déjà diminuer, voilà encore un autre problème qui est venu de suite, hein, en tout cas d'un contrôle de routine hein, et des roulages qui se retrouvent dans le véhicule d'un usager de la route et qui se permettent de prendre, là on parlerait carrément de vol, et ça a préjudicié certainement ce club de la capitale qui en fait allait voyager non pas seulement pour défendre ses propres couleurs mais également le drapeau du pays. Je rappelle que le dernier club monté Mapembe va jouer ce match aller contre Al Ahly Benghazi. Ce sera le 14 février prochain. Et le match retour une semaine plus tard va se jouer ici à Kinshasa. Le dernier club monté Mapembe doit chercher en tout cas à faire un bon résultat déjà là-bas pour espérer en tout cas se qualifier dans la phase des groupes de la Coupe de la CAF. Al Ahly Benghazi, une très bonne équipe hein, qui avait été éliminé en Champions League par l'Espérance de Tunis hein, à l'aller 0 but partout, et au match retour l'Espérance de Tunis a eu du mal en tout cas à venir à bout de cette équipe libyenne hein, qui joue sans trop compétition dans les jambes. Vous savez la situation sécuritaire au niveau de la Libye, quelle est la situation sécuritaire là-bas, donc c'est un problème. Et d'ailleurs Al Ahly Benghazi joue en dehors de la Libye et ceci préjudicie fortement cette équipe libyenne, mais une équipe à prendre très très au sérieux. Les Darimens devront prendre 13 équipes au sérieux, d'autant que c'est l'équipe qui a eu à fournir le plus grand nombre des sélectionnés au sein de l'équipe nationale qui a du reste participé au championnat d'Afrique des Nations. On était dans le même groupe qu'eux et nous nous sommes qualifiés ensemble avec le Congo Brazza qui était venu à bout justement de cette équipe libyenne au terme d'une troisième journée très disputée par la marque de 1 but à 0. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Heureusement que la bonne nouvelle est que les passeports ont été retrouvés chez la policière hein, de roulage hein, qui est commis en tout cas la circulation de la route, celle qui s'est emparée du sac. Je ne sais pas si elle pensait trouver des dollars ou autre chose ou des diamants dans ce sac là, mais en tout cas elle n'aurait pas dû si cette information est confirmée puisque publiée en tout cas par une page Facebook de supporters certainement du dernier club Moté Mapembe qui confirme que les passeports ont été retrouvés entre les mains en tout cas de cette dame policière de son état. Au moins la situation est décantée, une situation invraisemblable qui est arrivée au Daring Club Moté Mapembe et au dirigeant. C'est un peu aussi de tirer les oreilles de son intendant de savoir comment en tout cas protéger les documents officiels hein, du club. On ne se prend pas ça comme des papiers avec lesquels on va acheter les arachides. Ce n'est quand même pas bien. Il faut à un certain moment savoir être professionnel. Ce qui s'est passé, ce n'est pas bon à quelques jours de ce match important entre le dernier club monté Mapembe et Al Ahly Benghazi. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Laissez-nous aussi un commentaire hein, en exprimant votre point de vue ou votre opinion sur le sujet que nous venons de vous proposer. Merci
de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV. Hein. Une fois abonné, apparaîtra une petite cloche. Hein. Activez la notification en cliquant sur cette petite cloche-là. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons ici. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.